Ah, commandant Shepard, votre table vous attend. Salut Shepard. Pas mal, hein? Ça a de la gueule ici. Comme leur portier, d'ailleurs. Il suffit juste de sauver la galaxie 2-3 fois pour avoir une table. Vous avez vu la queue? Et moi, je suis là. Un verre à la main. Meilleur pilote de l'univers et rockstar. Des nouvelles du Normandie? Juste quelques rapports de maintenance. C'est dur de me dire qu'une bande d'étrangers est en train de trafiquer mon vaisseau. Enfin, votre vaisseau. Le mieux qu'on puisse faire pour l'instant, c'est de laisser les techniciens faire leur travail. Ouais, vous avez raison. Une petite vidange, un changement de pneus. Oui, croyez-moi, ça lui fera du bien. Oh, vous, je vous crois. Nos amis ingénieurs aérospatiaux voleurs d'argenterie, par contre... Que quelqu'un d'autre s'en charge pour une fois. Ordre de Hackett. Vous êtes en perme. Que ça nous plaise ou non. Je crois que vous survivrez. Je vais avoir besoin d'un cocktail avec une ombrelle. Vous pourrez même en avoir deux. Je suis le premier spectre humain. C'est presque de l'abus de pouvoir. Donc, votre email disait que c'était important. Mon email? Je suis là parce que vous m'avez envoyé un message. Quoi? Je n'ai rien envoyé, moi. Excusez-moi, pardon. Je travaille pour l'Alliance. Commandant, c'est urgent! Je ne crois pas que ce soit la fille qui apporte les ombrelles. Commandant Shepard, je suis Maya Brooks, analyste de l'Alliance. Des services secrets de l'Alliance, pour être précise. Votre vie est en danger. Ouais, je crois qu'elle est au courant. Oh. Non, je ne parle pas de Cerberus ou des moissonneurs. Je parle d'autres personnes, de nouvelles personnes. Il... c'est... quelqu'un a piraté votre compte. Données personnelles, canaux de transmission. Vous êtes personnellement visé. Personnellement visé? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Rien n'est encore sûr. La dernière fois que je me suis avancé sans preuve, on a failli envoyer des troupes en plein dans une géante gazeuse. Peut mieux faire. Doucement, Brooks. Respirez. Reprenez depuis le début. Excusez-moi, vous n'avez pas réservé? Bonsoir, mesdames et messieurs. Le numéro de ce soir vous est présenté par Violence et Compagnie. Baissez-vous! J'adore le showbiz. Dispersez-vous! Trouvez Shepard! Bougez pas, j'arrive. Joker? Ah, oh, mon pancréas. Hé hey! Merde! J'en ai eu un! Trouvez les autres, je me charge de celle-là. Trouvez les autres, compris? Hé hey! Je vous sers d'appât? Courez! Je vous sers d'appât. Vous voyez, la sauveuse de la citadelle se sert d'un pauvre innocent comme un pas. C'est Shepard, je vois Shepard. Brooks, tenez bon. Où est-ce qu'il a trouvé une arme? Merde! Thank you.
À merveille. Regardez là-bas. Brooks, vous avez été touché. Je sais. J'ai utilisé du Medigel. Une sacrée dose. Tout mon stock, en fait. Maintenant, il y a un peu tout qui bouge. Vous n'y êtes pas allé de main morte. Est-ce que je peux vous aider? Alertez le SSC. Je vais chercher une sortie. Brooks, je vois des voitures de l'autre côté du fossé. Peut-être aussi une plateforme d'atterrissage. Je balaye la zone. Transport, non. Nourriture, non. Laverie. Ah, c'est un parking. Si je ne me torse. Envoyez une navette. Je vais trouver un moyen de traverser. Ok, ça marche. Donc, il se trouve que le SSC a verrouillé toute la zone. Ça va être compliqué de vous envoyer une navette. Débrouillez-vous, Brooks. Sur l'air. Shepard n'était même pas armé. Quelle bande de nazes. Elle ne doit quand même pas être loin. Shepard n'est pas ici. C'est Shepard. Entendu. Ok. Brooks, à vous. Non, terminé. Brooks, terminé. Transmettez. Et chiottes. Ok, ciao. Journée difficile, Shepard. On peut dire ça. La plateforme d'atterrissage est juste là, mais inaccessible. Il faut trouver le panneau de commande. J'aime votre tenue. Le panneau de commande, donc. Il paraît que vous avez pris l'eau. On en parlera plus tard. Dommage. Je l'aimais bien, ce restaurant. On en parlera plus tard. Reculez. Un instant. Bonjour. Vous pourriez ouvrir la porte, s'il vous plaît? Merci. Allez-vous-en! J'aurais pu le faire, moi. Rex ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Ah, je me prends la tête avec le conseil sur l'expansion Krogan. Je sais pas, on a un moyen de sortir d'ici ? Rex, vous parlez à une pro. Ce n'est pas un oui. Ce n'est pas un non. Joker, on a tous les véhicules. Vous êtes où? En chemin, j'ai récupéré Brooks. Je me suis dit que vous auriez des questions. Bien vu. Ça fait du bien d'être de retour. Ouais! Commandant, le SSC vous a trouvé? Ça va? Oui et non. Des mercenaires se cachaient dans une navette SSC. Quoi? Je suis un peu...
occupé, là. Oui, pardon. On fait vite. On est bientôt là, commandant. Tenez bon. Cet endroit est la raid idéale. Plein de choses à décider. J'approche de votre position, commandant. Je suis les tirs. Bien reçu. Désolé pour le retard. J'ai dû prendre la route panoramique. La route panoramique? On a failli s'écraser au moins 4 fois. Où est-ce que vous avez appris à conduire? Brooks vous passe le bonjour. Allez à la navette. C'est parti. Je suis prêt, commandant. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? C'était qui, ces mercenaires? Ils étaient armés et utilisaient des navettes du SSC. Je ne sais pas. Je ne les avais jamais vus. Je n'en reviens pas que vous ayez survécu. Ils avaient des armes, des grenades et des drones. Brooks, ça va aller. Je sais que c'est pas facile. On m'a tiré dessus. J'ai du médigel, mais quand même. Ce n'est pas pour rien que je bosse dans un bureau. Et vous avez tué une centaine de types au pistolet. Oui, en effet. Non, mais qui fait ça? Enfin, vous, il faut croire, mais à part vous. On m'a dit que le médigel pouvait me rendre nerveuse. J'ai l'air nerveuse? Comment vous avez atterri là? Je fais de la surveillance de données pour l'Alliance, dans le but de prévenir toute usurpation d'identité. Comme quelqu'un qui utilise un pass d'amiral pour entrer en boîte à la citadelle pendant que l'amiral en question se bat sur Tuchanka. J'ai créé un excellent programme de repérage que j'ai appelé Mr. Cookie, comme mon chat. Brooks. Oui, pardon. Bref, Mr. Cook, mon programme, a détecté une faille dans vos dossiers confidentiels. Et tout ce qu'on avait sur vous s'est retrouvé compromis. Dossier personnel, rapport de mission, tout. Quel rapport entre le piratage d'archives personnelles et une attaque à main armée? Pensez à ce que des criminels pourraient faire avec les codes d'accès militaire de Shepard. Ou même les codes de Spectre. Ça explique pourquoi ils veulent votre peau, Shepard. Et ils ont l'air plutôt déterminés. C'est reparti pour un tour. On dirait bien. Ces mercenaires ne perdent pas de temps. Ok. Et on commence par où avec cela? Le flingue que vous avez trouvé. Pour un truc de cette taille, il envoie. J'ai jamais rien vu de pareil. Moi non plus. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Vous pouvez essayer. Mais je vous préviens, je n'ai toujours rien trouvé et j'ai cherché partout. Je n'en doute pas. Glyph ? J'analyse les données pertinentes, Dr. Tsony. Merci. Bien. Yara est au boulot. Et le reste de l'équipage, alors ? C'est vrai, ça, bande de flemmards? Joker, vous n'avez pas chômé. J'ai trouvé des gens qui aiment bien se faire tirer dessus. Permission d'embarquer, Shepard ?